is the producer. Salut Sacha. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors, tu sors de l'école à l'instant? J'ai fini à 15h. Ouais, t'as fini à 15h. Bon, alors dis-nous un petit peu, on commence par ce sujet qui fâche. En général, un peu déplaisant pour les footballeurs. T'es en quelle classe et à quoi te prédestines-tu? Vers quoi tu te diriges comme voie? Je suis en première STMG. C'est quoi? C'est de la gestion ça? Économie, gestion, droit, tout ça. Ouais, ça se passe bien? Ouais. On fait ça par plaisir ou c'est parce qu'il faut se diriger vers quelque chose? Ouais, parce que c'est plus facile en STMG. D'accord. Parce que, ouais. Ok. Bon, il t'est arrivé un petit truc sympa, je crois que c'était le week-end dernier, où t'as joué pour la première fois en U19, ouais. Avec 5 de tes potes U17. Ouais. Bon alors, dis-nous, comment c'est? Est-ce que c'est si compliqué que ça de jouer au niveau dessus? Ouais, ça va plus vite et c'est plus physique. Même si c'était un mauvais terrain sur lequel on a joué. Ouais, donc plus rapide, plus physique. Et au niveau de la pression, c'était. Comment est-ce que tu l'as géré? Est-ce que c'était plus facile d'être avec des coéquipiers à toi qui venaient aussi de U17? Parce que c'était pas rien quand même, c'était un match en jeu. Non, mais on m'a bien encouragé avant le match. Donc c'était normal, c'est tranquille. D'accord. Donc tu es numéro 6, ouais. C'est ça? C'est un poste auquel tu as toujours joué. C'est toi qui as. Quel plaisir tu prends à jouer à ce poste-là. T'es pas le premier numéro 6 hein, qu'on rencontre pour cette rubrique. En général, c'est ce qu'on dit, hein, c'est un poste qui est un peu ingrat. Toi, est-ce que tu prends plaisir à jouer ouais, à ce poste? Moi j'aime bien parce qu'on touche beaucoup de ballons. On participe au jeu et on peut en récupérer beaucoup aussi. D'accord. Ce week-end, quel est le programme? C'est un match contre Saint-Noël-Saint-Gratien. Un bon petit derby? Ouais. Donc ça se passe comment en général quand... Est-ce qu'on le prépare de la même façon que les autres matchs ou... Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Comment t'expliques que vous ayez d'aussi bons résultats en U17? J'allais pas dire cette année puisque c'est un peu le cas toutes les saisons. Mais comment t'expliques Harold nous disait que c'était parce que vous entendiez tous bien? Ouais, c'est pour ça. Parce qu'on s'entend tous bien, on s'encourage. Et on connaît pratiquement tous comment on joue. C'est tout comment on joue. Donc, c'est plus facile après. C'est pas embêtant de jouer dans une équipe qui gagne tout le temps? Non, c'est bien. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur ta personnalité en dehors du terrain? Parce que bon, c'est vrai que tu parais un peu plutôt réservé. Ouais. Est-ce que c'est le cas aussi en dehors? Ouais, je suis calme, réservé. Je parle pas beaucoup. Mm-hmm. Mais sinon, je suis gentil. Ça. Et on se doute, hein. Et au niveau de tes passions, tu t'intéresses à quoi? Est-ce que c'est aussi console, tout ça, comme les jeunes de ton âge ou... Ouais, plus le foot. Plus le foot. Ok. Bon, c'est un trottoir. Hein. Tu te doutes bien qu'il y a depuis maintenant 15, 20, 25 ans beaucoup de jeunes qui sont devenus des joueurs très connus, des stars, des professionnels, ou qui ont même fait des carrières honorables sans forcément être des stars. Ça t'inspire quoi de marcher sur ce trottoir tous les jours? Ça m'inspire de suivre leur pas, d'aller jusqu'à le plus loin possible. Y a pas des fois où on a envie de tout balancer en se disant que c'est un peu usant d'aller à l'entraînement et des fois ils ventent, ils pleuvent, on préfère rester chez soi. Et y a pas des fois où on a envie de tout claquer? Non, parce qu'on sait que si on travaille, il va arriver quelque chose à la fin. D'accord. Bon, on vient de passer 100 mètres avec toi, Sacha. Déjà, donc on te remercie pour nous avoir accordé un peu de temps. Tu vas avoir le droit à la question qui tue, hein, parce que ça fait 2 fois qu'on essaye de faire sortir une blague à certains de tes coéquipiers, ça marche pas. On revient à la question qui tue. Il paraîtrait que tu serais le petit frère caché d'Adrien Rabiot. Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Ah pourtant, le même poste, la même dégaine, la même coupe de cheveux. Allez, à vous, non, grillez. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que, justement, le fait qu'on te compare à Adrien, est-ce que... c'est une bonne chose et en plus vous avez quasiment le même âge. Comment t'expliques que lui, si jeune, il a réussi un tel parcours quoi, de se retrouver au sein du groupe professionnel? Parce qu'il a travaillé, parce qu'il a continué à croire qu'il pouvait y arriver et voilà. C'est un modèle pour tous les jeunes du centre de formation? Ouais, bien sûr. Par exemple sur lui. Il est resté proche avec certains d'entre vous.
je sais pas, ouais, je pense. Égal à lui-même. Ouais. Très bien. On te remercie, Sacha. On te souhaite un très bon entraînement. Et puis, très bon match au week-end contre Sanoa. Merci. Ciao, ciao. Case the producer.